Bonjour, hier je vous parlais de l'affaire Stéphane Plaza, donc que a lancé David Perrotin de Mediapart. Arrête de pleurer, tu fermes ta gueule, enquête sur l'animateur de M6 Stéphane Plaza accusé de violence par trois ex-compagnes, humiliation, menace, menace verbale. L'une d'elles a eu le droit fracturé avec arrachement osseux. Bon, donc lui il a dit que c'était pas vrai, et ben bing, Mediapart a sorti les preuves. Donc bon, qu'est-ce qu'on voit? On voit un doigt cassé, on voit que bon, ben, il s'excuse. Bon, voilà, donc bon, il n'y a pas de grosses preuves. Bon, il y a peut-être eu un mauvais geste, on n'en sait rien, hein, je ne suis pas là pour le défendre. Bon, après, il a promis des choses. Bon, après, ça, c'est la vie privée, hein. C'est pareil, hein. On ne peut pas rentrer non plus dans les détails de la vie privée des gens. Par contre, M6 est complètement solidaire de son animateur, vu qu'M6 a des parts dans Stéphane Plaza Immobilier. Donc, bon, ils n'allaient quand même pas le virer d'M6 pour ce genre de choses. Et puis, bon, bah, comme on a pu voir, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Norbert. Hier, c'était Stéphane Rothenberg. Et aujourd'hui, c'est la fête à Stéphane. Allez, je vous dis à plus tard. Bye bye.